mars avec le concert de Wenge 4x4, le concert de réconciliation de l'unité. Pour en parler, un petit commentaire, nous sommes ici avec M. Popol Mukelenge. Popol Mukelenge, bonjour. Bonjour, madame. Et je rappelle que la maison Massaprod a fait appel à vous pour vous occuper de la communication de tout cet événement qui a commencé, qui a eu lieu le 30 juin. Alors, on va faire des petits commentaires. Hein? Mm-hmm. Donc, sur moi, le 30 juin. Bah, tenez, ils ont une explication. Tout, j'ai un cours constitutionnel. Non, ils ont une explication. Déjà, premièrement, je m'en vais remercier le producteur historique, M. Amadou Diaby et M. Samba Bacheli, d'avoir offert ce concert au peuple congolais. Et merci donc au Wingi, unifié, réconcilié, d'avoir fait revivre encore à tous les ménages 25 ans après les plaisirs qu'ils n'ont jamais eu. Et merci aussi à tout le public congolais dans son ensemble, ceux de la diaspora et ceux d'ici qui sont au Congo à Kinshasa, d'avoir répondu à l'appel. Plus de 80 000 personnes dans la salle et il y avait encore des gens au dehors du stade qui n'étaient pas encore entrés. Donc ça, c'est, il fallait que ce soit que Wenge Musique a unifié pour le faire. Mais Bakoti Reta, pourquoi ? Bakoti Reta, parce que on avait trois défis à relever. D'abord, il fallait faire le plein, ce qui a été fait, défi relevé. Il y avait la sécurité. Il fallait que tous les 80 000 personnes soient checkées au niveau de la sécurité. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord que la sécurité était totale. Il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas de viol, il n'y avait pas d'abus. Donc merci au général Kasongo, merci au colonel Tshisekedi, merci au commandant Bellone, merci à l'Ikondi Protège, à Bouboulou Yondela pour la sécurité. Donc c'était un problème sécuritaire. Il fallait que tout le monde soit checké. C'est un jour très important de l'indépendance, donc on ne voulait pas prendre des risques. Alors, comme il y avait plus de 80 000 personnes, alors il fallait attendre que tout le monde à Kota pour ne pas manquer cet événement. Donc les Wenge étaient là, mais il fallait que tous ceux qui ont payé leur billet, acheté leur billet, soient présents pour vivre cet événement-là. Donc ce n'était pas la faute de Wenge. Mille excuses à tous ceux qui sont venus à Kota Reta. Il y a plusieurs messages dans ce que Wenge Musique a fait ce jour-là. D'abord, les instrumentistes étaient en noir comme des magistrats. C'était une façon d'arrêter tout ce qui ont prostitué la musique congolaise. Vous savez que le mot d'ordre ce jour a été de redémarrer la musique. Ça dit qu'on arrête tout ce qui ont prostitué la musique congolaise par les magistrats. Et la Cour constitutionnelle avec les Wenge en son bleu, arrêt. Voilà, et prendre arrêt pour dire qu'à partir de maintenant, la musique congolaise, la rumba congolaise a repris sa suprématie dans le monde et à travers l'Afrique. Donc neba telema kuna ba rumba zaki pe na ba Cour constitutionnelle à partir d'aujourd'hui, la rumba congolaise a repris sa suprématie. Et il y a un message très important aussi, vous avez vu les élèves. Les élèves. À part la suprématie de la musique congolaise qui a repris à travers ce concert, mais il y a aussi un souci de justice. Ils étaient en bleu pour un pays qui aspire au développement doit s'asseoir sur la justice. C'est un message. Un pays qui aspire au développement doit s'asseoir sur l'éducation des enfants. Les enfants doivent aller à l'école. Les Wenge sont passés par l'école, par les universités, les instituts supérieurs. C'est un exemple pour dire que nous voulons que le Congo demain soit développé et nous devons la gratitude de l'enseignement que le président Fatshi a promis doit continuer. Donc ça dit un message pour dire les enfants doivent aller à l'école. Et les enfants ont remis le micro aux Wenge. C'est pour dire que nous allons à l'école, vous faites votre travail. C'est-à-dire que l'éducation est la base pour l'avenir du pays. Le prochain rendez-vous du 9 juillet, le prochain rendez-vous, c'est le 9 juillet, le samedi prochain, au Pullman, au chapiteau de Pullman. Donc nous invitons tout le monde, tous les VIP à être là. Ils seront servis. Vous savez, Wenge Tigimo Batnanzala, parce que répertoire nous se met à mité. Alors le 9 juillet, au Pullman, à partir de 19h, concert et bandit, jusqu'à X temps. Donc il faut être là. Si tu es VIP, il faut être là ce jour-là. Très bien. Alors, Popol, on va attendre le deuxième concert. Pour un bon goano, babo, babongi saki, batine de la
Après ça, ce soit ma veuve, ma musicienne, ma épouse, va faire décès. On attend le deuxième concert. On attend le deuxième concert. Mais déjà, nous disons merci à tous ceux qui ont été dans la salle parce qu'ils ont contribué à l'effort de guerre. Mmh. Et nous remercions l'association Banakin de Godan Motemona pour le support qu'il a donné à ce concert. Eh bien, nous allons nous permettre de revivre en quelques minutes. Mmh. C'est tout à fait exceptionnel. C'est ce qui s'est passé le jeudi 30 juin au stade Martyr avec ces concerts de réconciliation de Wenge. Encore une fois, un grand merci à Yondela Mobunga Bouboul et Likondi Protège pour toute la sécurité assumée ce jour-là. Regardez. Merci.